Bon bah là je pense qu'on va être obligé d'acheter un échafaudage les potes. J'ai essayé plein de techniques pendant que vous me regardiez pas trop, j'ai testé plein de techniques. Je me suis dit oh, ça va passer comme ça, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Donc on va pas le choix. Ah, je m'élève, qu'est-ce qui se passe? Ouais mais par contre t'es bien mignon Michel, mais là va falloir... Je crois qu'on a même pas assez de peinture. Attendez, je crois que je monte un seau qui est vide. Je suis pas sûre de l'info hein, mais je crois. Non bah non, j'étais pas sûre de l'info. Tout ça pour ça, en plus ils se foutent de ma gueule. Tout ça pour que ça mette 2 secondes. Juste 2 secondes. Yo tout le monde, c'est Kylira, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite de House Flipper. Alors sans plus tarder les potes, si vous venez à me poser la question, Kiki, non c'est toujours pas réparé, hein. Il y a toujours, le jeu est toujours aussi buggé, il y a toujours des problèmes, il y a des bugs qui sont toujours inadmissibles et j'ai l'impression que les devs ne patchent absolument pas ou ils cherchent, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais du coup plusieurs jours se sont écoulés après ce jour horrible où j'ai perdu ma maison. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous invite à aller la checker juste ici, il y a un petit qui va apparaître et vous pouvez cliquer dessus et voir comment j'ai perdu ma maison. Donc du coup, bon, alors en live, j'avais juste refoutu, vous voyez, de l'herbe, mais c'est tout ce que j'ai fait. En fait, c'est tout ce que j'ai fait, je compte pas la redécorer pour le moment, parce que si c'est pour tout repart d'après, il n'y a aucun intérêt personnellement. Donc les potes, moi ce que je me suis dit, c'était plutôt, on va acheter une maison. La maison brûlée, alors elle a l'air d'être hyper glauque. Donc les potes, vous savez quoi? Avant, pour rénovation, la maison a brûlé, mais elle n'a pas trop souffert de l'incident, et j'estime qu'elle est bon, qu'elle est en bon état. La maison comporte deux quoi? 2 chambres, une cuisine et une salle de bain. Donc effectivement la maison est en super bon état, il n'y a pas de doute. Donc on va aller acheter la maison les potes sans plus tarder et on va lancer ensemble. Alors la dernière fois en live j'ai pu faire par contre quelques missions et ça n'avait... J'avais pas bugué, j'ai pu faire les missions, arriver à terme. Donc bon, on va voir là ce que ça va donner à la limite. On va essayer déjà de virer... Alors, là, on voit que la maison a brûlé. Hein. On voit clairement que... Ah merde, il y a même des... Qu'est-ce que c'est ça sur le dessus de la pisse? Qu'est-ce que c'est? Il y a des problèmes, hein. Il y a des gros problèmes hein, sur cette baraque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Bah écoutez, le jardin, au pire, on s'en occupera après. Hein. On s'occupe du jardin après. Hein. Moi, je veux rentrer direct. Oh la vache. Nettoyer la vitre. Oh là 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 là. Oh là là! Ça va être... Oh putain. Ah oui, ça a bien pris là, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, en termes de rénovation, ça va être sommaire, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. Bon bah les amis, c'est un travail pour Super Kiki, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est un travail pour Super Kiki. Donc sans plus tarder, écoutez, on va vendre. Pas trop le choix, il va falloir vendre des objets parce que là... Ah attendez, on m'appelle. Oui allô? On va supprimer pas mal de choses. Non mais attendez, il va falloir que je passe un coup de balai ou comment ça va se passer? Attendez, je supprime tout. Je vire tout, même ça. Je sais même pas comment les lampadaires font pour rester accroché. Je sais même pas comment ça fait pour rester accroché. D'ailleurs, je me demande si on avait pas déjà fait une maison comme ça. Ou j'avais même pété ça. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Bon, on va tout supprimer, c'est pas grave. Alors déjà, dans un premier temps, on va réparer les prises parce que Dieu sait que là, il y a du travail pour le coup. Il y a pas mal de choses qu'on cramait. Donc du coup aussi, les amis, merci pour vos commentaires sur ma vidéo précédente sur Roblox, le jeu auquel je n'avais jamais eu l'occasion de jouer. Et vous m'avez conseillé pas mal de modes, justement, sur le jeu. Enfin, pas mal d'autres d'autres modes de jeu, tout simplement. Et je vous en remercie. Je sais pas si j'en ferai tout de suite du Roblox. Là, je vais être absente pendant genre une semaine. Donc, il y aura pas de vidéo après. Alors, je vais essayer d'en tourner un maximum en avance. Alors ensuite, je vais passer un petit coup de balai. Hein. Pas le choix, hein. Ah ouais, c'est ça, passe un petit coup de balai, ça nettoie tout. Eh ben comme quoi, vous voyez, regardez-moi ça, le plafond. Allez hop. Si c'est pas beau. Et pourquoi est-ce qu'on s'emmerde, voilà. Un petit truc propre. Regardez-moi ça. Hop, là apparemment il y a de la crasse. Ouais, non. Et là ça va partir, attendez, c'est quoi là? Bah non, ça part pas. Ah, ça part pas du tout. Ah non, 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 en fait c'est, je pense que c'est le parquet qui est cramé et tout, il faut refaire quoi. Bah écoutez, moi ça me pose pas de problème perso, mais... Hop, là apparemment il y a du truc dégueulasse. Là c'est nickel. Bon là par contre ouais, là au niveau du parquet je peux modifier des trucs. Bon ça va. Je crois pas que dans le jeu par contre il y a encore d'autres maisons horrifiques. Je crois pas, je suis pas sûre de l'information hein. Mais je pense pas qu'on ait d'autres jeux, enfin d'autres maisons qui sont horrifiques avec, comme vous savez, avec Michael Myers. Ça c'était assez cool. D'ailleurs en parlant de Michael Myers, ça me fait penser à un truc, alors rien à voir, mais ça me fait penser à Scream. Et qui a vu le nouveau DLC de Dead by Daylight qui arrive prochainement avec Scream, justement avec Ghostface? Quand j'ai vu ça, j'étais là,
Trop bien. Donc à mon retour, du coup, je vous ferai des vidéos dessus, on fera des lives dessus, ça va être fort sympathique, vous allez voir. On passera un super beau moment dessus, les amis. Du carrelage. Bam, du carrelage. Ensuite, là, on va mettre du parquet, ouais, je pense, à partir de maintenant. Pas du tapis, mais des lames de parquet, on va en mettre partout. Ça me fait toujours rire, quoi. Le mec, il trop fait ça, voilà. Au calme, rien à foutre. Le truc était dégueulasse précédemment, c'est pas grave. C'est rien du tout. Hop. Vous me direz. Hop là. Au moins, ça sera beaucoup plus propre. C'est tellement satisfaisant ce jeu dès que t'as tout clean tes zones, quoi. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. Ça, on peut le dégager. Ça, pareil, on le dégage. Les fenêtres, on va les nettoyer juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la peinture. Vous avez l'habitude de la peinture blanc. Ouais, du blanc. Ça changera de tout ce noir qu'on a de partout. Ah non, ou argent, glace, gris, acier. Non, blanc, ce sera très bien. A few moments later. Hop, on va nettoyer les vitres maintenant. Comme ça, on sera tranquille. Bah là, par contre, là, on voit la vitre. On va comprendre. What the fuck, le truc. Là, on voit la vitre tranquille, quoi. Tac, ça, on peut vendre. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal propre, hein, tout ça. Là, ah non, faudrait refaire tout l'extérieur, du coup. Ah, j'ai envie de faire un truc, hein. Ah, j'ai envie de peindre, hein, je vous le dis. Hein. Du coup, j'ai envie de peindre, hein. Je sais même pas si c'est possible, en fait. Ah bah si, c'est possible. Et bah voilà, comme ça, les gens, à la limite, pourront se projeter plus facilement sur cette maison. Parce que quand tu vois la merde que c'était... Hop. Mais non, regardez, un échafaudage. Regardez, on l'a fait, pas besoin. Voilà. Ça sera beaucoup plus propre déjà. Au moins, on aura une maison toute blanche. Et les gens arriveront à se projeter plus facilement. Parce que là, c'est vrai que notre maison est complètement full cramée. C'est pas ouf. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Bon bah là je pense qu'on va être obligé d'acheter un échafaudage les potes. J'ai essayé plein de techniques pendant que vous me regardiez pas trop. J'ai testé plein de techniques. Je me suis dit oh, ça va passer comme ça, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Donc on va pas le choix. Ah je m'élève, qu'est-ce qui se passe? Ouais mais par contre t'es bien mignon Michel mais là va falloir... Je crois qu'on a même pas assez de peinture. Attendez je crois que je monte un seau qui est vide. Je suis pas sûre de l'info hein, mais je crois. Non bah non j'étais pas sûre de l'info. Tout ça pour ça, en plus, ils se foutent de ma gueule. Tout ça pour que ça mette 2 secondes, juste 2 secondes à peindre. Je me suis dit, oh, vas-y, va falloir peindre toutes les petites zones. Pas du tout, rien à foutre. Bon, bah, ça m'a l'air nickel, tout ça. On va mettre, bah, du coup, la salle de bain. On va pas s'emmerder plus que ça. On va leur mettre un miroir. Et encore, je suis gentille. Hein. Franchement, pour le coup, je suis sympa. Hein. Parce que là, je pourrais faire un truc hyper sommaire. Mais je sens que c'est ce qui va arriver, de toute façon. Un tapis... un petit tapis, on a l'habitude des tapis. Hop, un petit tapis comme ça. Allez hop. Après, vous démerdez. Un meuble. On peut mettre un meuble salle de bain. Est-ce qu'on a des meubles pour la salle de bain? Non, on n'a pas. S'il vous plaît, je voudrais juste un petit meuble de salle de bain. C'est tout ce que je demande. Mais du coup, si je mets ça là, en gros, il pourra plus. La porte, ça va commencer à mort. Attendez, je vais me faire une réflexion. Ah, bah non! Ça passe à travers! Mais c'est magnifique! Mais pourquoi s'emmerder si ça passe à travers? Mais pas... Voilà, bah impeccable. Hop. Impeccable. La fille hyper laxiste sur la fin, quoi. Plus rien de compte. Plus rien à foutre. D'ailleurs, pour le moment, les potes, je vous le dis, je pense que je vais faire une pause sur House Flipper, puisque tant qu'ils n'auront pas corrigé les problèmes, je vois pas l'intérêt de refaire encore d'autres vidéos dessus. J'aimerais vraiment qu'ils corrigent les soucis avant de retourner tout simplement sur le jeu. Ça pourrait être plus cool, perso, je trouve. Et ça se trouve, il y aura d'autres améliorations qui vont être apportées. Mais c'est vrai que... Pour le moment, je suis un peu déçue des choses qu'ils ont apportées au niveau, je sais pas, enfin, cette nouvelle mise à jour, déjà, je trouve, elle est complètement fuckée. Elle gâche plein de trucs, il y a plein de choses qui merdent, je trouve ça complètement dommage. C'est très triste qu'il y ait autant de choses qui déconnent, mais que voulez-vous, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Alors, bon, on va mettre ça comme ça, le frigo. Ah non, c'est réfrigérateur, je crois qu'ils appellent ça comme ça, je crois. Ouais, réfrigérateur. Ça fait bizarre ou pas d'avoir un frigo là? Non. Non. Kiki, penses-tu? Voilà. C'est sommaire, je vous l'accorde. Mais, voilà. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. La cuisine, ça. On va leur mettre un canapé. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre un canapé si imposant. Mais écoutez, voilà. Hop, c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire. Pour un appart étudiant, pas besoin de plus. Pas besoin de plus, les amis, pour un appartement étudiant. Donc, bah écoutez, c'est très bien, j'ai envie de vendre la maison. Ah, attendez, on voit que dehors, il reste deux merdes. Aussi, ma peinture que j'ai pas vendue, ce serait peut-être temps de la vendre, Kiki. Tac, et là, apparemment, on a deux, trois trucs au sol. Là et là. Voilà. Tac.
Mais du coup, les amis, écoutez, il y a tout qui rentre dans les canapés, machin et tout, mais bon, on vendait la maison aux enchères, aller au concours de jardin, non. On va partir en liste de vente aux enchères, on va voir du coup... eh ben quand même, regardez, on se fait un bon bénéf, hein. Et pourtant, vous voyez, c'est ça... Ça, c'est un truc par rapport au jeu que je ne comprends pas. Finalement, tu peux te faire chier comme jamais. Ok, tu te feras un peu plus, mais regardez, là, on n'a pas mis des bêtes de décoration, on a mis genre le truc le plus sommaire de la Terre. Et du coup, ça passe. On va accepter l'offre, on va la négocier juste. Allez, on va la négocier, on va rajouter 2000. On peut la rajouter de 11 000, on va... 3010. Allez, on négocie l'offre, on va voir si ça passe. Par contre, si ça passe pas, c'est vraiment des gros cons maintenant. Parce que sans Ah, ça passe. Ça passe. Donc, on se fait un bon petit bénéfice quand même, les potes. Bah, regardez, voilà. Accepter l'offre, c'est nickel. J'ai envie de vous dire, impeccable. N'hésitez pas les potes dans les commentaires à me dire s'il y a des maisons que vous avez envie que je fasse et si vous savez surtout s'il y a des maisons glauques dans le jeu. Est-ce qu'on a de nouveau d'autres... Enfin, si on a d'autres maisons glauques ou pas du tout. Garage avec bunker. Vous avez été nombreux à me demander de faire le garage avec bunker. Enfin, les maisons bunker, vous avez été nombreux. La maison de la femme lunatique, ça, c'est très bizarre. Attendez, vous savez quoi? On va l'acheter. Il n'y a pas longtemps, parce que j'ai changé d'avis, je préfère acheter mon ancienne maison. Vous savez quoi? On va acheter la maison. On va aller là-bas. Et on va juste regarder, parce que vu que c'est la maison de la femme lunatique, voir s'il y a un truc de caché ou quoi. Peut-être, on sait jamais. Parce que la maison de la femme lunatique, c'est très bizarre quand même. On va voir. Donc là, c'est tout ce qui est jardin. Ah, j'ai eu peur. Ok. Je regarde s'il n'y a pas des choses de caché, en fait. Ah, des cafards. Ah, des cafards, des cafards. Ok. Ah, des cafards. La meuf, elle va passer tout son temps à gueuler. Ah, des cafards. Ouais. Mais attendez, j'ai une question. Il y a combien de... Ah, mais en fait, c'est la maison de la grosse dégueulasse, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait renommer la maison. Hein. La maison de la grosse dégueulasse. Parce que là, pour le moment... Ah, mais sans déconner, à part des cafards, il y a... Attendez, sortir l'aspirateur. On va juste aspirer ça, les potes, et on va s'arrêter là. Écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans cette maison. Après, on continuera de fouiller, de toute façon. Mais, ah, c'est fortement dégueulasse. Hein. T'as éliminé tous les cafards. Non, non, ok. Ok, bon, à part des cafards et des cafards et des cafards, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans cette maison. On verra après s'il y a des choses de planquées ou quoi, les amis. Donc du coup, les potes, on va s'arrêter là pour cet épisode sur HouseFlipper. J'espère en attendant que ça vous aura plu. Merci infiniment à tous ceux qui vont sur YouTube pour moi. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous aime 3 fois 1000 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les potes. Ciao.